Le Parti Néo-Rhino du Canada présente le Parti Néo-Rhino au Parlement. Ça, c'est les membres du Parti Néo-Rhino. Ça, c'est le Parlement. Pis ça, c'est moi en hippie géant. Bienvenue au Parlement. Veuillez prendre siège, la conférence va commencer. Pointe 97 qui a fait la circonscription Pointe de l'Île à la dernière élection. Candidat. Ainsi que moi-même qui ai fait l'élection dans Rosemont. Mon nom est Jean-Patrick Berthiaume. Et nous avons ici Serge Grenier qui est l'agent officiel du parti. Le LSD, qu'est-ce que c'est? C'est le Laboratoire des sciences de la démocratie. Donc, je m'occupe de toutes les candidatures. Et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, chers Canadiens et Canadiennes. Nous sommes désormais avec des caisses pleines. Oui, plus de 69 candidats pourront payer leurs 1 000 $ à la prochaine élection. Et donc, ne sachant pas quand les élections vont arriver, nous avons l'intention de faire une coalition. Hey! Et c'est Guettambé, recyclable, maintenant recyclé, dans la vente de gaz! Toutes sortes de gogos! Comme des gogos HD! Car Guettant, il sait à quel point tu aimes les choses HD! Comme les télévisions HD! Les vidéos HD! Et même le papier de toilette HD! C'est pourquoi Guettant, il a pour toi des lunettes HD! Avec les lunettes HD, tu vas pouvoir voir toutes sortes de choses en HD! Comme ceci! Wow! Ouh! Comme cela! Wow! La vie est tellement plus belle en HD! Wow! Et même ces lunettes, elles te permettent de voir même le gouvernement sous une nouvelle vision! Wow! Un gouvernement de coalition en HD! Ouh! Tu te dis, mais qu'est-ce qu'un gouvernement de coalition en HD? Eh bien, écoute le petit bonhomme! Il va t'en parler! Et nous, on est particulièrement pour la coalition HD. En fait, ça a parti sur un jeu de mots, sur le mot coalition, on s'était dit il faut que nous coalissions un peu d'or. Et puis l'idée a fait son chemin. Le Parti Néo-Rhino est le mieux placé pour faire cette coalition-là parce qu'on a beaucoup en commun avec toutes les autres partis, sauf un. Avec le Parti Vert, nous sommes pour l'environnement, la planète et nous voulons vaincre la pollution. Avec les Premières Nations, comme eux, nous voulons fêter la vie, le territoire et la nature. Avec le Workless Party, nous voulons travailler moins et jouir plus de la vie. Et avec les communistes, nous sommes solidaires des mêmes combats et manifestons depuis toujours à leur côté. Le Marijuana Party, plusieurs d'entre nous ont inhalé les substances. Le NPD, nous avons plusieurs objectifs en commun. Le Bloc québécois, nous défendons tous les deux le droit à la différence. Le Parti libéral, nous partageons le goût de la liberté individuelle et nous avons tous une certaine méfiance envers la bureaucratie. Et pour la guerre, nous avons une solution très simple. Ben 97 est ici pour vous l'expliquer. Du Néo-Rhino est clair. Le Néo-Rhino demande le retour des soldats canadiens d'Afghanistan au PC, ainsi que d'appuyer un programme de paix durable en Palestine. Quand nous avons fait cette marche, nous avons utilisé un lit pour se remémorer le Bed-in pour la paix de John Lennon et Yoko Ono, qui a eu lieu à Montréal il y a 40 ans, en 2009, c'est-à-dire le 26 mai 69, Yoko Ono et John Lennon étaient dans au Queen Elizabeth pour faire un bed-in pour la paix. Nous, du Néo-Rhino, avons décidé d'organiser un bed-in pour la paix 2009. Le bed-in pour la paix 2009, c'est un événement mondial qui vont inviter tous ceux et celles qui veulent appuyer la cause de la paix de rester au lit un maximum de temps entre le 26 mai 2009 et le 2 juin. Nous allons aussi faire une recherche pour trouver un autre hymne à la paix
celui qui avait été composé lors du bed-in par John Lennon, qui s'appelle « Give Peace a Chance », nous avons décrété « Give Peace a Second Chance ». Donc, nous voulons faire de 2009 « The Summer of Love » et le retour officiel de tous les militants pour la paix mondiale. Je propose les casques roses, qui seraient une armée qui a pour but de vraiment rétablir la paix dans les zones à conflit. Donc, une armée qui utiliserait les fleurs et l'amour pour, plutôt que les armes. Et donc, le parti Néo-Rhino est là pour rester. Nous avons maintenant une aile cohérente qui complète l'aile incohérente, mais les deux visent quand même l'utopie de rendre la vie intéressante. Et nous espérons que vous allez voter pour nous en masse à l'avenir. Les appartements directs ici. Ouais, c'est pas pire. Il y a gros aussi, hein, Bobby. Merci de l'appuyer lui-même. Tu vas toujours aussi drôle. Tu payes une bière, toi? Non, j'ai fumé un vape avec. Ah! Ouais, mais c'est plate, parce que ce que je trouve plate, c'est que il roule comme un petit son pareil. Ah, c'est il chure dedans. C'était la conférence de presse du parti Néo-Rhino.ca. Bang!